en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16. Je crois que tu as déjà trouvé. Ézéchiel, chapitre 16. Chapitre 16, Ézéchiel. Tu ne connais pas ces choses. Tout le monde est debout. Dis au jeune homme là, tout le monde est debout. Ézéchiel, chapitre 16. Nous allons lire le verset 4. Tu n'as pas de Bible, rapproche-toi auprès de la Bible. Soulève ta Bible. Plus haut qu'on voit vraiment que tu as ta Bible. Là au milieu là-bas, je ne vois pas. Tout le monde là au milieu n'a pas de Bible. Soulevez vos Bibles, bien-aimés. Nous voulons voir les gens qui ont des Bibles. Toi, la semaine dernière, tu n'en avais pas. Aujourd'hui également, tu n'en as pas. Soulevez ta Bible, bien-aimés. Mon frère, moi, quand tu m'as beaucoup, voilà, c'est Jean Major. J'ai vu un frère croisé. Alors, armée, ça l'a raté. Ici, on n'est pas dans l'armée. Alors, toi, armée en colo. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. L'armée en colo, faut ça la monde. Dans l'armée du Seigneur, tu dois avoir une arme. Une arme, c'est la Bible. Le dimanche prochain, ramène ta Bible. Alléluia. Amen. Ézéchiel, chapitre 16. Nous allons lire le verset 4 qui va nous introduire dans le message de ce matin. Amen. 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 À trois, nous lisons tous les seuls versets dans le verset 4 qui va nous aider, bien aimé. 1, 2 et 3. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton lambeau n'a pas été coupé. Arrêtons-nous là. Amen. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, je veux remettre ce message de ce matin entre tes mains. Laisse-nous parler à ton peuple, Seigneur. Que cette parole puisse nous ouvrir les yeux. Et que cette parole puisse nous conduire à la délivrance. Pour les gloires, la Bible dit que valeur de presse éclaire à l'éternel. Et le Père envoya sa parole et sa parole nous guérit. Que la parole de ce matin puisse nous guérir. Je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de cette parole au nom de Jésus-Christ. Et j'invoque ton règne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Bénis-toi, Père des droits, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur royalement. Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire nous aidera à entrer dans notre message de ce jour. Vous savez, bien-aimés, nous avons commencé un séminaire où nous parlons de l'héritage spirituel. Nous sommes en train de parler de l'héritage spirituel. Bien-aimés, nous avons compris par rapport à la Rousse. La Rousse a défini l'héritage comme ceci. Que l'héritage
mariage, c'est un lien ou un ensemble de biens transmis par succession. J'avais expliqué ceci bien aimé, que l'ensemble de biens, on n'a même pas besoin d'en parler, puisque ce sont des biens matériels que nous sommes capables d'identifier, d'inventorier. Mais notre problème, c'est le lien. L'héritage comme lien. L'héritage comme lien. Qui est transmis par succession. Qui est transmis par succession. Donc si nous comprenons bien, l'héritage se transmet de père en fils et de génération en génération. L'héritage se transmet de bien. Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Qu'est-ce qu'on t'a transmis, ma soeur? Qu'est-ce qu'on t'a transmis, mon frère? Comme héritage. Donc nous allons abonder dans le même sens. Et le séminaire continue. Ça, c'est un bonus pour vous. Pour ce dimanche. Mais lundi, nous continuerons le séminaire. L'héritage spirituel. Ici, bien aimé, dans les textes que nous venons de lire, il s'agit de Jérusalem. Jérusalem qui n'était pas un païen. Jérusalem qui priait. Tellement il s'est posé beaucoup de questions. Puisque sa vie ne marchait pas, rien n'allait bien aimé de l'avant dans sa vie. Toute sa vie n'était que souffrance sur souffrance. Misère sur misère. Alors Jérusalem a commencé à invoquer Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, là c'est d'ailleurs Dieu lui-même qui parle. Il dit, invoque moi, je te répondrai. Alors quand l'homme invoque Dieu, s'il invoque vraiment le Dieu vivant, c'est Dieu vivant répond. C'est Dieu vivant parle. Je voudrais te dire, ma soeur, mon frère, dans tes problèmes, les autres disent, Dieu ne parle pas. Dieu ne me répond pas. Je te dis, soit c'est toi qui es distrait, soit le Dieu que tu pries là, ce n'est pas le Dieu véritable. Mais si tu pries le Dieu véritable, il te répondra. Puisque la Bible dit que Dieu, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Et si tu ne comprends pas le langage de Dieu, ce n'est pas de ta faute, puisque la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas calme. L'homme ne fait pas attention. L'homme ne s'attend à la prophétie. Mais tandis que Dieu parle par les songes. L'homme s'attend par les songes. Dieu parle par la prédication. L'homme s'attend à la prédication. Dieu parle par la vision. L'homme attend la vision. Tandis que Dieu parle par la nature. Dieu parle de diverses manières. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, l'homme ne prend pas garde. C'est ça notre problème bien aimé. Moi, je dis à tout le monde, applique Jérémie 33:3. Si vraiment Dieu te parlera. Non, parce que j'ai prié, j'ai gêné, mais Dieu n'a pas parlé. Non, c'est toi qui es menteur. Puisque tous ceux qui ont cherché Dieu, Dieu les a répondu. Dieu les a parlé. Dans les cas bien aimés que nous sommes en train de prier, il s'agit de Jérusalem qui avait des sérieux problèmes. Jérusalem bien-aimé, qui étymologiquement, son nom bien-aimé a été attaché au nom de Dieu. Puisqu'il s'appelait Jérusalem. Jérusalem, c'est un nom composé. C'est comme nous voyons Jean-Pierre, Jean-Marie, Marie-Hélène, Marie-Claire, Justin-Marie, ce sont des noms composés. Jérusalem aussi, c'est un nom composé. Écoutez-moi bien aimé. Le nom de Jérusalem, c'est un nom composé. Ça veut bien aimé, c'est composé par deux mots. Jérou et Salem. Jérou et Salem. Mais quand nous voyons Salem, c'est le nom même de Dieu. La Bible l'appelle le roi du Salem. C'est lui qui a rencontré Melchizedek. C'est lui qui a rencontré Melchizedek. C'était le roi de Salem. C'est lui-même
Jésus-Christ. Laisse-moi te donner son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui était Dieu le Père autrefois. Il était Dieu le Fils autrefois. Aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. C'est lui-même Jésus-Christ. C'est tout ce que la Bible nous dit. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il n'y a pas d'un nom qui vous a été donné sur la terre, dans le ciel, sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui vous a été donné, le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça même quand on parle du baptême. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'existe pas. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus était le Dieu d'autrefois, le Dieu le Père. C'est pour cela que la Bible nous montre que l'Ancien Testament, c'est de l'ombre des choses à venir. Et à venir, c'était Jésus qui était venu en personne, comme Dieu le Père, qui s'est manifesté comme le Fils. Et les apôtres lui ont posé la question, « Mais Seigneur, tu parles de toi, le Père, 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 montre-nous le Père. » Le Père. Est-ce que vous ne m'avez pas vu? C'est moi qui suis le Père. C'est moi qui suis le Père. Comment vous demandez encore le Père? Et pourtant vous me voyez. Donc moi je suis le Père. Après il dira, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous comprenez le message? Là on parle de la divinité de Christ. Il dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais je veux partir. Le Saint-Esprit viendra. Il ne parlera pas de lui. Mais il parlera de moi. De moi Jésus. Puisque c'est moi-même qui viendra comme le Saint-Esprit. Qui viendra comme le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, comme ça m'a fou là. Dans quelle église, beaucoup de choses. Il est mon fils à Will. Parce que le Père de Moutou, c'est un homme en ligne. Ça, on a mis le Père de Will d'olive. Dieu est venu dans l'huile d'olive. Vous allez vous pingouer. Vous êtes dans vraiment. Alléluia. Ça, c'est l'homme qui tolatrie. Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il invoque, ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Tu viens avec des choses là. Sauf que oui, les athées pour ça. Il n'y a pas de plus pour les points. Il y a la bouteille, lui. Sans révélation, sans boule. Comme il était. La Bible dit. Dieu ramène au présent ce qui était passé. Il ramène au présent ce qui était passé. Ce qui était dans le Père, il a ramené au Fils et aujourd'hui il le ramène à l'Esprit. C'est lui-même Dieu qui a un nom. Sera si n'avait pas les noms. Bible le dit, ça est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Yesu azui kombo, Yesu aye, Yesu aye kwa mwana. Il est le Fils. Mais azui kombo. Il prend un nom. Oye leki ba kombo nyos. Leki ti kombo tata. Même si, plus que le nom du tata Père. Tata au gogo la gemi kolo. Le Père. Tu vois comment on va donner le succès? Mais toi tu es tu déjà plus que moi. Vous comprenez que? Vous comprenez? Il nous dit clair que il ne partage pas sa gloire. Akabo la kanke bola yete. Donc vous comprenez que toute la gloire est pour lui. Kombo nyos les années pour lui. Ce n'est que lui seul. Jésus Christ. Qui s'est manifesté autrefois comme le Père, après comme le Fils, aujourd'hui comme l'Esprit, et il a dit il sera avec nous jusqu'à l'enlèvement. Donc lui le Fils il revient comme l'Esprit. Vous comprenez ça bien? Cette histoire là, le Saint-Esprit insiste toujours que je puisse revenir. Puisqu'il y a trop de confusion à l'église. Les gens ne savent plus qui prier. Prier Jésus-Christ. Prier seulement Jésus-Christ. Bien aimé, dans notre texte ici, on voit Jérusalem. Qui priait. Puisque Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. Alors Jérusalem aussi a prié. Pourquoi je souffre? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Lui qui avait un nom, qui étymologiquement était attaché ou associé au nom de Dieu,
Salem, Salem, qui veut dire paix, Tachina. Shalom. Kimia. Mais bien-aimé, Jérusalem n'avait pas de paix dans sa vie. Toute sa vie était troublée. Problème sur problème. Problème sur problème. Jérusalem a posé la question à Dieu. Et cette question-là, que moi et vous, nous nous posons chaque jour et chaque semaine. Seigneur, pourquoi? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas de papier? Pourquoi cette maladie? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Bien-aimé, comme Dieu est fidèle à sa parole, Dieu est obligé à répondre à Jérusalem. Écoutez la réponse de Dieu. Il envoie son serviteur. Il envoie le prophète. Le prophète Ézéchiel. Il lui va dire à Jérusalem. Va lui répondre. Va lui amener la réponse. Pourquoi il est en train de souffrir? Puisqu'il m'a demandé. Pourquoi il souffre? Moi, Dieu, je suis obligé de lui répondre. Alors va lui amener la réponse. Ma réponse à moi, Dieu, va lui dire pourquoi il souffre. Oh, bien aimé ma soeur, mon frère, laisse-moi te parler ce matin. Ézéchiel, Ézéchiel le plus, le prophète d'aujourd'hui, c'est Micomachika. Micomachika te parle comme un envoyé de Dieu pour t'amener la réponse à ta problème, pour t'amener la lumière là où il y a les hommes tombent. Pourquoi tu souffres? Pourquoi les choses ne marchent pas? Écoutez, bien aimé, comme Ecclésiaste a dit, ce qui a déjà été, je te dirai simplement ce qui a été. Ce qui a été dans la vie de Jérusalem. La réponse d'Ézéchiel. Dieu va dire à Ézéchiel, dis-lui, s'il est en train de souffrir, c'est parce que à sa naissance, son cordon n'a pas été coupé. Là, nous sommes dans Ézéchiel 16, verset 4. S'il est en train de souffrir, c'est parce qu'à sa naissance, son cordon n'a pas été coupé. Le cordon, c'est quoi, mes bien-aimés? Le cordon, c'est les liens. Les liens qui relient l'enfant à ses parents, l'enfant à sa maman. C'est ça ce que nous appelons les cordons. Le cordon ombilical, c'est un lien entre l'enfant et sa maman. Donc tout ce que l'enfant reçoit, il le reçoit de sa maman par ses cordons. Par ses cordons qui est le lien entre lui et la maman. Entre lui et la maman. C'est pour cela que vous verrez quelqu'un comme Samson. On va des interdits à la maman, que la maman puisse obéir pour que l'enfant, la vie de l'enfant, ne puisse pas être affecté. Bien aimé, là nous voyons les cordons. Les cordons, c'est un lien. Or, si nous rentrons dans la Rousse nous dit ceci, que l'héritage, c'est un lien. C'est un lien. Mais le lien bien-aimé par rapport à l'enfant et la maman, le lien sert à nourrir l'enfant, à subvenir aux besoins de l'enfant. Le cordon ombilical, Dieu dira à Jérusalem, si tu es en train de souffrir, c'est à cause de ces liens. À cause de ces liens. Quand nous parlons de l'héritage, bien-aimé, nous sommes obligés de parler de liens. Nous sommes obligés de parler de liens. Puisque le lien est capital, tu le veuilles ou pas, le lien existe entre toi et ta famille. Même quand tu viens au Seigneur Jésus, tu viens avec ce lien entre toi et ta famille. Et le lien que nous avons avec notre famille, c'est le lien de sang. C'est le lien de sang, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Acclame un peu le Seigneur. C'est le lien de sang. Qui te relie avec ta famille? Des fondements de sentiments démoniaques. Nous savons que notre père est sorcier. Nous savons que notre maman est sorcière. Mais à cause des liens que nous avons avec elle, il y a des sentiments démoniaques. C'est quand même ma mère. Si ce n'était pas ta mère, si c'était ton
ton ami, ton ami bien-aimé, ou ta copine, tu allais depuis longtemps rompre le lien. Mais comme le lien de sang est très fort, bien-aimé, on ne peut pas les rompre comme ça. C'est très difficile. Beaucoup parmi nous, tels que nous sommes là, Dieu nous a déjà révélé que papa est sorcier, que maman est sorcière, que mon frère est sorcier, que ma soeur est sorcière. Mais bien aimé, le lien qui nous réunit, le lien qui nous unit, tellement est fort, Père. Nous avons des chagrins. Nous avons des chagrins à cause de ces liens. Et là, vous savez, l'héritage, c'est un lien. Jérusalem avait un problème. C'est pour cela qu'il était en train de pleurer. Pourquoi je souffre? Je lui dis, Jérusalem, si tu souffres, ce n'est pas moi. Sache que toi, ton cordon n'a jamais été coupé. Ton cordon n'a jamais été coupé. Ma soeur, mon frère, est-ce que le cordon a été coupé? Est-ce que le cordon a été coupé? Jamais. Tu es ici, mais tout ton cœur est tourné vers ta famille, est tourné vers ton père, est tourné vers ta mère, peut-être vers ton enfant, l'enfant que tu portes là, c'est le fruit de tes entrailles, vous avez les sangs. Quand tu vois l'enfant, même s'il y a des prophéties, que cet enfant est sorcier, bien aimé, tu n'arrives pas à rompre les liens. C'est là, c'est l'image, bien aimé, que c'est difficile pour un homme de rompre le lien familial. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi la Bible dit cela? Pourquoi le Seigneur dit cela? Que crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Puisque bien aimé, tu as un lien avec ta famille. Tu as un lien avec ta famille. Si toi tu es sauvé, tu peux communiquer, bien aimé. Famille. C'est pour cela que Dieu nous parle de croire au Seigneur Jésus et d'être sauvé avec sa famille. Les liens bien-aimés, les liens des familles. En lingala, on dit ceci. Singa famille et benanaka. Et katanakate. Et benanaka. Dans la maman, les tout dans la noko. Dans la papa. Dans la maman, tous les kanate. Mais c'est dans le benanaka. Mais pas katana. Il faut que nous pendant ensemble. Et qui t'a écarté à l'amour. Et qui t'a écarté à l'amour. Tant qu'il n'y a pas de paix de Dieu pour couper ce lien, le lien restera. Ici, mes chers amis, on nous parle de Jérusalem qui était un adulte qui avait déjà la foi, qui était déjà engagé au Seigneur et il invoquait Dieu. Mais c'est Jérusalem, il avait des problèmes, des problèmes très sérieux. Quand il a invoqué Dieu, la Bible dit que Dieu lui répondait et dira ceci, que ton cordon n'a jamais été coupé. Ton cordon n'a jamais été coupé. Cela veut dire, Jérusalem, tu partages le lien de la famille. Donc tu as hérité les choses de la famille. Comme tu es là, Jérusalem, ta vie est influencée. Par celle qui vient de ta famille. Qu'est-ce qui vient de ta famille? C'est le célibat, c'est la maladie, c'est le blocage, c'est la stérilité, c'est la pauvreté. Si cela est le cas dans ta famille, comme le lien n'a jamais été coupé, bien aimé, tu reçois, que tu le veuilles ou pas, bien que Philo prépare les tableaux. Bien aimé, le lien de la famille, le lien de la famille, le lien de la famille est très profond, que nous le voulons ou pas, le lien de la famille est très profond. Bien aimé, la repasse exemple. À cause de ces liens.
bien. C'est ça l'héritage bien-aimé. On peut choisir ses amis. On peut choisir tout ce que nous voulons. Mais on ne choisit pas ses frères. On ne choisit pas sa mère. On ne choisit pas ses soeurs. On ne choisit pas ses oncles. Bien-aimé, on accepte de ceux qui sont venus avec nous, à qui nous appartenons, dans la même famille, dans la même famille, puisque nous avons le même lien. Nous avons le même lien. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire que l'évangile que tu reçois, tu l'apportes à ta famille, pour que ta famille puisse être également sauvée. Nous n'avons pas ce message-là de diviser les familles. Bien que le Seigneur a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Les gens de sa propre famille. Bien que Dieu l'a dit, Dieu a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Mais bien aimé, Dieu veut que nous puissions être sauvés, nous et notre famille. Quand Dieu veut sauver une famille, il choisit une seule personne. Comme le diable également, s'il veut détruire une famille, il choisit une personne qui deviendra son serviteur, son sire. Si aussi s'il veut sauver une famille, il choisira une personne qui va donner sa vie à Christ afin que cette personne puisse aller calmer sa famille. Est-ce que vous comprenez ça bien aimé? Donc nous ne sommes pas là pour diviser les familles. Les familles, gens vous comprennent très mal. Ah, l'église, la vie, nous avons pas la famille. Non, nous sommes dans le monde de Kéba Kéba. L'homme prudent voit le mal de moi et se cache. Quand je sais que toi, oncle, tu es sorcier, je ne viendrai pas te donner ma tête pour que tu puisses la couper. Vous comprenez bien aimé. Ce qui est soit dimanche, Jida que de mettre la souille à tes cahiers, pour y aller, ça va être à vos sept cahiers. Ne séparons pas les familles. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais comment tu peux sauver ta famille? Et pourquoi il parle de la famille? Puisqu'il y a un lien entre toi et la famille. Ce lien-là vient de loin. Ce lien-là vient de loin. C'est un lien, bien-aimé, que vous n'avez pas bâti. C'est un lien que vous avez hérité. Comme je suis là avec maman, moi je ne la connais pas. C'est par ma mère que nous nous connaissons. Alléluia. C'est par ma mère que je la connais. Bien, mais c'est ça la vie. Et nous sommes unis. Nous avons le même sang. Nous devons composer avec cela. C'est ça notre héritage. Le mauvais sang que nous recevons bien aimé. Puisque quand la rousse dit, l'héritage c'est un lien transmis par succession. Nous allons voir bien aimé. C'est un croquis que j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà fait plusieurs fois, je l'ai refait encore aujourd'hui. Puisque nous parlons de l'héritage. Puisque nous parlons de l'héritage. Alors l'héritage bien aimé, vous avez mis Kobachika là. Il a son papa, il a sa maman. Son papa, sa maman. Et le papa de Miko Bachika, il a aussi son père et sa mère. C'est sa maman. Maman aussi, pareil. Alors, quand on arrive ici par rapport à Miko Bachika, c'est les grands-parents. Les grands-parents, bien aimés, eux aussi, chacun. A son père et sa mère. Il a aussi son père et sa mère. C'est ça la vie bien. Nous venons de loin. Nous venons de très loin. Et maintenant on va voir les arrières-arrières de Miko Bachika. On vient ici bien aimé. Et aussi également. Chacun a son père. Chacun a sa mère. Ça, c'est la vie. Dieu a voulu que ça soit comme ça. C'est difficile, hein? Tellement qu'on n'est pas dessinateur. Mais nous faisons avec les moyens de bord. Amen. Amen.
Bien-aimé, voilà ce que nous voyons. Nous parlons de l'héritage. L'héritage, bien-aimé. On parle à Ézéchiel là-bas que le cordon n'a pas été. Le cordon n'a pas été. Le cordon, c'est le lien. C'est le lien qui est à la maman. Alors nous allons voir, bien-aimé. Donc ici, c'est Miko Batika. Ici, c'est son père. Et là, c'est sa mère. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voyons par là? Le père, il a aussi son père et sa mère. La mère également a son père et sa mère. Et sa descend, sa descend. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que nous voyons? Le caméraman fait un peu de mouvement pour aider les bien-aimés de voir, de bien voir. Nous voyons l'arbre généalogique. L'arbre généalogique de Miko Batika. Ça, c'est son arbre généalogique. Et dans l'arbre généalogique, on peut même compter père et mère comme première génération. Les grands-parents comme deuxième génération. Ici, père et mère, c'est deux personnes. Les grands-parents, 1, 2, 3, 4, 4 personnes. Les arrière-grands-parents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personnes. Amen. Amen. Et ici, bien-aimés, les arrière-arrière-arrière-grands-parents, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 personnes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous faisons la totalité. Ça fait combien? Ça fait 30. Amen. Amen. Là, nous avons ici sa première génération. Première génération. Ça, c'est deuxième. Deuxième. Ça, c'est troisième. Ça, c'est quatrième. Alléluia. Amen. Écoutez bien, amis. Ici, la première génération. S'il y a eu des bêtises, Dieu dit dans Exode 20, verset 5, que lui, Dieu, il punit les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Alors, si nous considérons cette génération comme première génération, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération, et Miko Batika est en train de souffrir. Bien, mais nous pouvons rentrer, faire marche arrière, voir les personnes qui l'ont cité. Puisque Dieu lui-même, c'est pas Satan, c'est Dieu qui parle. Il parle des quatre générations. Donc nous essayons de voir quatre générations avant Miko Batika. Qu'est-ce que nous voyons, bien aimé? Ces quatre générations sont composées de 30 personnes. Les 30 personnes, bien aimé. Les 30 personnes. Ils influencent la vie de Miko Batika. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Les 30 personnes. Et tous, comme vous voyez là, ils ont des liens. Les prêts que je fais là, c'est ça le lien. Tout le monde, bien aimé, a des liens avec Miko Batika. Je vous ai dit, mais bien aimé, ce séminaire que nous avons commencé sur l'héritage spirituel, bien aimé, c'est la base même de la délivrance. Vous allez voir les réclamations. Vous allez voir la malédiction. Vous allez voir les condamnations. Vous allez voir tout ce que vous connaissez, les lois établies. Tout ça, vous allez le voir par rapport à l'héritage. À l'héritage. Bien aimé, Miko Batika, comme il est là, sa vie, il le reçoit de ces gens. Les sangs qu'il a, c'est la somme de ces gens. La somme des sangs de ces gens-là. C'est lui qui a donné son sang. C'est lui qui a donné son sang. Lui l'a donné son sang. Lui l'a donné son sang. Et tous ces sangs-là, soit sont partis vers le Père, soit sont partis vers la mère. Et tous ces sangs-là vont aller jusqu'à Miko Batika. Donc Miko Batika, comme il est là, il a le résultat de la vie de ses hommes et de ses femmes. Le résultat de la vie de ses hommes et de ses femmes. Mais qui sont ces hommes
il y a des chefs coutumiers. Parmi eux, il y a des sorciers. Il y a des kuluna. Il y a des balados. Il y a aussi des bons hommes. Des hommes intègres. Il y a des tout. C'est pour cela que nous disons la vie de Nikobachiba est influencée des sangs de ses hommes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'âme de l'homme est dans son sang. L'âme de l'homme est dans son sang. Cela veut dire, mes chers amis, l'âme de ces gens se trouve à Nikobachiba puisque elle tous. Ils ont transmis leur sang à Nikobachiba. Vous comprenez bien aimé. Quand vous voyez quelqu'un comme Paul, qui dit je veux faire le bien mais je n'arrive pas à le faire. Puisque bien aimé des fois, le bien vient d'ici, le mal vient d'ici. Et il y a un conflit entre le bien et le mal. Il y a un conflit bien aimé. L'homme ne sait plus quoi faire. C'est pour ça que nous voyons même les sauts du maire. Et quand Mikobachiba vient au Seigneur, il vient avec la somme des sangs de toutes ces personnes. Il vient avec leur âme au Seigneur. C'est pour ça que nous voyons même des gens. Ils prient. Et des fois ils tombent, des fois ils se relèvent, des fois ils rentrent dans la publicité. Puisque le matin c'est lui, l'après-midi c'est lui, le soir c'est lui-là. Et la vie de cet homme bien-aimé n'est pas stable, n'est pas posé, n'est pas posé. Vous comprenez mes bien-aimés? Laissez-moi encore donner cette illustration. Quatre personnes devant moi ici. Quatre personnes devant. Frère, viens, tu es bien habillé en costume, viens. Maman Cécile. Maman Cécile. Maman, viens, tire mon cahier. Laisse les cahiers, viens, maman. Amen. Amen. Vous voyez ces quatre personnes. Vous avez terminé. Admettons. Elle, c'est la grand-mère. Non. Rajoute-toi une autre personne. Maman, viens. Maman, y'a. Mets-toi là. Zalakou. Elle. Yé. Elle ne connaît rien. Elle est l'autre. Mais elle veut se marier. Sa vie est compliquée. Sa vie est compliquée. Elle ne comprend pas. Rien ne marche. Alléluia. Rien ne marche. Non, papa, laissons les mamans. Maman Déborah, viens. Maman Déborah, viens ici. Alléluia. Amen. Bon exemple, bien-aimé. Nous avons quatre personnes ici. Nous allons dominer. Maman Zo Dindaga. Moi, ça va bien, maman. Amen. Amen. Les marches à ordre de mes amis d'alors. Moi, mon lot à nous. Mais les amis. Alléluia. C'est toi, Mikolo Yabou. La goudi. Ok. Nous avons quatre personnes. Donc, disons quatre personnes. C'est quatre personnes bien qui composent quatre générations. Prenons cet exemple. Bien. Alors, faisons. Comment? Comme ça. Ligne. Voilà. On va aller nous aller à Coco. Comment on va faire? Amen. Amen. Ok. Nous avons ces gens. Nous avons par la taille. Aussi, madame. Par la taille. Vous comprenez bien, aimé. Tenez bien. Si, même, madame. Si nous voyons Ézéchiel qui parle à Jérusalem, que ton problème et que les cordons n'ont pas été pour toi, va t'asseoir. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est elle, Ézéchiel. Non, Jérusalem. C'est elle, Jérusalem. Jérusalem. Elle a envie de se marier. Mais elle a
sa maman. Elle a sa grand-mère. Elle a son arrière-grand-mère. Par rapport au tableau de Moïse. Vous comprenez bien, aimé. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ça? Quand elle marche, ne relâche pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Elle marche avec ses gens. Mais elle ne sait pas. Puisque le lien c'est spirituel. Le lien c'est spirituel. Ce lien-là spirituellement. Même avec le microscope, elle ne voit pas le lien que vous voyez ici. Mais quand elle marche, elle entraîne beaucoup de gens avec elle. Mais elle ne sait pas. Elle pense qu'elle est libre. Vous comprenez mes bien-aimés. Elle croit qu'elle est libre. Or, la Bible dit l'héritage, c'est un lien. Donc, comme elle est là, elle a hérité. Avant d'hériter l'héritage matériel, elle hérite d'abord le lien. Ce lien-là, c'est par rapport à sa maman ou ses parents. Mais les parents, si on reste quelque part, et aussi ils ont réussi quelque part. Vous comprenez bien aimé. Et Dieu parle des quatre générations. Donc quand elle marche, elle marche avec tous ces liens-là. Alléluia. Donc nous pouvons dire, cette arrière-grand-mère, elle peut tirer tous ces gens-là vers elle. Même quand elle parle de la foi, même si la grand-mère ne veut pas qu'elle parle, bien aimé, elle ne comprendra pas. Je fais les choses, mais ça ne marche pas. Elle ne sait pas pourquoi les choses ne marchent pas. Puisqu'il y a un lien. Et au travers du lien, il y a une résistance qui vient de là. Vous comprenez mes bien-aimés. Vous savez, aujourd'hui, je suis revenu sur ce message que j'ai déjà donné ici. Et ça se trouve même sur Internet. Mais si je reviens, c'est pour que nous puissions comprendre les contextes du séminaire que nous sommes en train de passer, bien-aimés. Nous voulons entrer vraiment en profondeur. Cette sœur, un jour, elle va croiser un homme qui veut l'épouser. Cette sœur, elle ira à sa famille parler. Elle voyait et recevait le courrier. Un bon fiancé a écrit il veut m'épouser, c'est là. C'est une bonne chose. Mais or, comme elle est là, elle ne sait pas qu'elle est liée, qu'il est relié à sa famille. C'est un lien de célibat. C'est un lien de condamnation. Que dans cette famille, personne n'a le droit de se marier. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Cet enseignement vraiment. Je supplie vraiment le bien-aimé du média. Organisez-vous. Mardi, jeudi, que tout le culte soit filmé. Puisque pour bien enseigner, c'est donner cet enseignement, il faut des illustrations. Vous comprenez bien-aimé. À la radio, les gens ne comprennent pas. Mais quand les gens voient, ils vont comprendre. J'ai dit que cet enseignement sur l'héritage, c'est la base des enseignements sur la délivrance. On trouve les lois établies, on trouve les condamnations, on trouve les liens, on trouve les malédictions, on trouve même les bénédictions, on trouve tout. Cette grande mamie, elle est partie faire des fétiches. Qu'est-ce qu'on lui demande? Donne-nous le mariage de ta famille. Elle va céder. Elle va donner le mariage. Donc le lien part à partir d'elle. Des fois, elle-même n'est pas mariée. Des fois, elle peut être mariée. Mais des fois, elle n'est pas mariée. Mais elle, maintenant, par rapport au fétiche qu'elle a pris, par rapport à son engagement dans la loge maçonnique, à ses sciences occultes, ce qu'elle va faire, ses descendants, personne ne les aura. Je vais te dire, bien-aimé, ce que ta mère a fait, toi, tu ne sais pas. Ce que ton père a fait, toi, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. D'autres disent, je n'ai jamais été chez un féticheur. C'est toi qui penses cela. Mais quand vous avez une année, quand tu avais une année, place maman dans mes mains. Là où ta maman t'a ramené, tu sais, côté tu es allé voir un féticheur. Moi, je ne suis jamais allé. Il y a eu que tu es allé au côté de mon bébé. Tu étais bébé. Donc, quand il a mon
Tu as grandi avec le fétiche. Tu étais malade. Bah, on t'a ramené chez toi. Toi, tu ne sais pas. Mais avec contrepartie. Avec contrepartie. Avec contrepartie. Avec contrepartie. Donc, la maman est. Donc, cette maman. A qui qu'on nous calou pemba. Ma cinquième contrepartie. On lui a demandé une contrepartie à céder. Contrepartie qu'elle a cédé. Ma balle à famille. Le mariage de est-ce qu'il va voir sa génération? Est-ce qu'elle va dire que quand vous êtes là, vous n'allez pas vous marier? Pour que vous voyez l'argent que vous voyez, j'ai donné pour vous. Est-ce qu'il va voir sa maman? Non. Elle ne va pas dire. Elle, qu'est-ce qu'elle va constater? Il y a un mariage, ça ne marche pas. Il va la séparer. Au moins, est-ce tu vois comme toi? Ouvre la mise. Ouvre les yeux. Tu as des enfants. Est-ce que ça condamnation? Est-ce que c'est pas une condamnation? Au moins, tu crois qu'on a l'héritage sans condamnation, sans malédiction, sans loi établie. Non, c'est ça les pères. Ça va ensemble. Elle ne sait pas. Il y a les militaires. Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, on dit comment? Mais va tout faire. À cause de la vie. Maître des ministres. Maître des calassons, mal et mâche l'homme. Maître des rouges, jaunes, rouges. Et drapeaux de Brésil à la tête. Même des brésiliennes. Le corps brésilien. Mais rien ne marche. Et là, on est embarrassé. Alléluia. Amen. Souka souka. À la fin. À mon lit à la fin. Tellement fait le bâton qu'on a un pauvre, on a dit bien. Ah, et bien, mais bon, tout le monde est d'abord les cadavres. Amen. 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 Ils ont un enfant. Amen. Ils ont cette fille. Amen. Amen. Il y a elle aussi à son tour. Pour ça, les attaques à la Ndumba. Son souci, ce n'est pas devenir une prostituée. Pour ça, la Eza, à Bali. C'est se marier. Mais la Bible le dit. Mais la Bible le dit. L'homme ne donne que ce qu'il a. Ce qu'elle l'a eu. Elle l'a eu par sa maman. Elle est partie quelque part. Et on lui a donné des condamnations. Qu'elle également transmise à elle. Vous comprenez bien aimé. Condamnation de célibat. C'est le lien. C'est le lien. Donc elle laisse un héritage à elle. Qui est le lien maléfique, le lien de célibat. Elle également, elle communique ici. Elle va tout faire. Vous avez toujours des enfants. Dans l'âge de 25 ans. Tu as déjà deux mariages. Quand tu auras 54 ans, tu auras combien de mariages? Et ça faut tu noter. Ce n'est pas ta faute. Lien. C'est le lien. On fait l'effort, le bon la lien. Tu fais l'effort comme les. Léa, ça là qui est fort. Léa fait l'effort. Alors, il y a un bota. Bon, je vais encore une fois. Peut-être qu'il va y avoir un bota. Je vais encore une fois. Peut-être que son cœur. Il y a un bota là. Je vais me faire un bota. Mais son bota, mais Jacob a tiré la bota. Jacob n'a jamais aimé. Le problème est où tu as pris. Le problème, c'est pas. Malgré fort, il y a ce sac. Malgré l'effort qu'elle faisait. Lien Oyo. Il y a le lien. Et où tu es pas là. Ça vient de. Elle aussi. Aïe, bien le côté. Elle ne sait rien. Aïe, bien le côté. Elle a reçu des choses. Vous comprenez bien les mots. Yes, Koyo. Amoti maman la biso. Elle est une autre maman. Amoti. Elle est une autre maman. Il monte à la gare n'a zoté. Regardez comment elle est. Elle fait tout. Bamon angaye. Bamon angaye. Azo luka. Elle fait tout. Mais pas son monde. Et on la voit pas. Ah. 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 Non. Ces choses là. Hein? Oh, maman, n'as-tu pas ta fille là? Amen. Au témoignage, amen. Au témoignage. Amen. 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 Maman, ce qui vient est ça. Si elle est bien. Attends, on est là, même si elle est là. Nous allons aller ici, maman. Je comprends. Amen. Maman, sous ça, les forts. C'est les forts. Vraiment témoignage à maman. Vous avez entendu son témoignage. Ah, maman, mon elle a commencé par un. Mdele a couffi. Lève-le un mot. Pas pour tout mouille. Il va chez les. Ah, vous dites non. Il a trouvé son. Donc, Dieu soit là, Nini. Tout ça, c'est quoi? Singawa, les familles. Rien. Ah, on vous t'a la battu, là, quand même. Mais pas rencontrer. On va déranger le final. Ils vont se marier. Mais il va aller aussi, ma tête. Le mariage ne va pas. Je vais te dire. Dans mon jeunesse, là, dans ta jeunesse. Ça va couper son mobilité pour Dieu ne te donnera pas un mari. Ça va couper son mobilité pour une jeunesse, là, on va s'en rendre à la prévache.
femmes à Israël ont fait ma femme à 65 ans. Vous comprenez? Donc, maman a mis son. C'est notre maman. Elle a été malheureuse. Hein? C'est toi. Ça nous gagne bien. Je vais chercher. Voilà. Bien-aimé. Malgré fort. Malgré les forts. A dit à blé côté. Il y a jaune côté. Il y a rouge âme. Tu ne vas pas écouter ces noms-là. Moi, je suis fatigué. Moi, j'ai dit toujours. Jésus a faim. La pierre en guinée. Cette pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui doit redevenir la principale de l'angle. Maman l'a dit ça. Notre maman. Akoluka. Akoluka. Akanata Monaco. Place la riche, voisin. Là où il y a les riches. Et l'eau aux athées. Bien. Ah, que n'a pas la bâton mouche. Et ben, elle est ma bikini. Et l'eau aux athées. Ah, on a ta barrière, même. Oui, moi. Enfin, ni pensa. Pas au monde à l'été. Problème, c'est ça, on a tes. Problème, c'est pas là. Problème, c'est ça, condamnation. La condamnation. Condamnation, oh, yo. La condamnation. Et où tu n'as lien. Que y a qu'on va dans l'Iban. Elle ne sait pas rester dans le mariage. Avant son mouban. Elle peut trouver. Mouban, elle est safoulier. Elle lui donne de l'argent. Mais pour avoir de mais pour qu'elle soit ensemble. Non. Avant son même mouban. Il achète une maison. Mais pour avoir de pour les pousser. Et vous savez. Puisque Esaïe était. Ce n'est pas elle. Esaïe. C'est le lien. Parmi l'héritage, c'est un lien. C'est un lien. Transmis. Pour le bâti que la campagne. Pour transmis. Bâti que la campagne. Donc on va transmettre au Yahweh. Par succession. Dans le lien à au travers les sons. Maquila et Azalam. Les sons qu'elle a. Et où tu m'as dit. Alléluia. Tant qu'on sent l'effort. Quand elle fera un effort. Habiter. Non, non. La limite. Je suis fatigué. Ni de la sanité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ah. Mm. Alma Bernadette. Elle écoute ma mère. Oh, mais t'as bien dans l'église. Viens à l'église. Ma camouna, on a eu la mort à côté. Bon, je crois que je ne peux pas. Nous avons un séminaire. Nous avons un séminaire. Viens, nous avons un séminaire. Viens suivre les séminaires. Peut-être après, ça va t'aider. T'as envoyé à. Quand elle vient ici. Bien aimé. Olivier. Le fait qu'elle est venue, elle écoute les messages. Bien. Ah bon? La Monique, c'est vrai, je dois avoir un problème. Puisque Jean va être si bien, Jean nous dit interroge ces légères choses passées. Tout le monde va y aller. Et sois attentif. Sois attentif à l'instruction de leur père. Donc, il y a un peu de temps à voir à ma terre. Quand elle va écouter les messages, elle va interroger ces légères choses passées. Avant tout, la maman. Elle va poser la question. Bien aimé, on va lui dire. Que c'est que toi
voir. Moi aussi je l'ai vécu. Moi aussi je l'ai vécu. Bien aimé ma vie, Franco. Ils ont vécu. Ils ne connaissent pas la cause. Elles ne connaissent pas la cause. Famille, la mission. Ma mère, elles allaient dans le côté. Elles allaient répondre. À cause du lien. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est vrai. Bonjour, mon ami. Bonjour, mon ami. Allez, canaille dans le bien aimé. Amen. Amen. C'est aussi quoi. C'est quand elles ont tendé. Quand elles marchent. À chaque fois qu'on a l'hiver. À chaque fois pour les. Donc on a lié on les alliés. Comme il y a des liens. Oh yo, avant de résister. Elle a commencé à résister. C'est là où on a accueilli. Elle va. Bon, quand même bien. Tout ça, la maison, maman. Moi, c'est le chat. Chat, va te couper. N'est pas fait. Dans la zone. Quand elle marche. Elle a résisté. Résiste. Malamour, il y a. Directement. Bon, moi, on est ici. Vous voyez comment ça a l'air. Il y a un homme qui est derrière moi. Moi, regarde. Directement. Vous comprenez ce que ça va faire. Vous voyez comment ça fait. Alors, on va passer. Elle aura mal. Aïe. Et je le suis un magabou pichou à Salimna. Tu m'as fait. En tout cas, pichou. Mon bali m'a fait. Pichou est le roi de la communauté. Pacassa, Moto, Nikungu, Limondo. Nous on se la paix à la haine. Dans ce moment, on a un iPad. La petite si maman est la photo. T'as la pichou. Tu as mal en bas les souter. Mais mal les bas, ça va tout m'a fait. Est-ce qu'il y a un magabou? Pichou à Salimna. Problème est où toi? Et où tu as? Nasinga Oyo. Bon, comprends bien, problème n'a yé. Mais ça pichoute. Pichou, on s'en est ma mère. Mais problème n'a yé. Et où tu n'as singa? Il y a autant de yaga. Quand tu viens ici, nous sommes dans la singa na yo. Tu dois retourner dans la singa la famille. Héritage, yon soit la famille. Est-ce que vous en comprenez? Azo qui me dit, elle va, ma maliba, les autres qui me bien. Ça va très bien. Et comme il y a comme, avec même ma pente, choc, et, la comme la tension, vraiment, gastrique, la malade, je suis malade, j'ai la tension, les autres. Les hommes, ah, maman, bah, les ici, est-ce qu'il y a les hommes? Il y a ma famille dans le milieu. Même si il y a un problème, ma famille dans le milieu. Kindo qui a fait ça dans la tête. Ma kila est Kindo qui a fait ça dans la tête. Sorcier. Yes, go. Comme elle. Samboul. Elle est le elle condamne Pichou. Elle condamne Pichou. Mais tu y es. Comme toi, tu es. Condamné tu condamnes une personne. Mais je vais te dire, votre héritage. D'où vient ce lien? L'héritage. C'est l'héritage. L'héritage. Dans l'héritage. Mais même la vie. Même dans la vie. Ma femme aussi te héritage. Il y a des parcelles qu'on a héritées. C'est la grand-mère qui a les. Mais yon tigala héritier. Toi tu es héritier. Tata n'a son paquet. Mais ton père ne fait pas. Comment tigala? C'est le grand-père qui. Même l'homme de Zanango. Même le visage qui. Au moins la yona maman les bocaux. Vous avez le même. Comment ça va qu'il a mon âme à maman les. Vous avez le même sang. Et où t'as la bacoco? Vous avez des ancêtres. Donc, il y a moi. C'est ça, bien aimé. Bien aimé, ce qui est un héritage, et où tu as bon monté. Si ce n'était pas le cas, comme il est la chica, j'allais même interdire aux autres d'avoir le mais est-ce que j'ai le pouvoir ou interdire ma chica d'interdire les autres. Bah, la grand frère, n'a pas dit qu'il n'a pas la chica d'être. Ils sont sur l'héritage comme moi. On a hérité. Pas dans ma sœur, n'a pas dit. Dans ma tête, ils n'ont pas été pour la chica d'être. Dans un monopole, on a dit qu'on a le même droit. On a le même sens, tout, nous avons le même sens. Vous en comprenez bien. Amen. Alors, tous on continue. Nous continuons. Bien, on les a bien. Quel lien hein? Et ça vous m'a mal. Sur les liens, on les a dit. Si, il y a des liens. Passe, si on passe, on passe. Toute ta vie, tu auras. Amen. Hein? Amen. C'est quoi, yo? Maman, yo? Cette maman. Maman Bernadette a dit. Maman Bernadette a dit. Yaran, au séminaire. Bien au séminaire. Aïe, Seigneur. Bébé, bébé, on se place. Et bah, place où on a été. Attirez-le au lien. Amen. Le boy a dit, ça n'a pas bien. Amen. On a quand même un pic là, on a un talon, on a un talon. En plus, ça va être une patinoire, il y a grave. Amen. C'est quoi l'idée? Elle maintenant. Attendez. Madame, là, la zone où on a mon balibal. Ce que je vois dans mon mariage. La zone où on a clair. Je ne vois pas clair. T'es, en tout cas. Non. Là, il faut avoir la clair. Tu dois voir clair. Au moins, il y a un peu de la vie. Toi, tu dis dans ta vie. Que la zone où on a clair. Je ne vois pas clair. Pour la santé, là, on a clair. Pour ma santé, pour la liberté, là, on a clair. Pour les mariages, pour la consommation, là, on a clair. Pour la richesse, je ne vois pas clair. Il y a un peu de la lobby. Elle aussi, elle dit.
mais si vraiment on a parce que ça n'avance pas. C'est pas maman Bernadette. Maman Bernadette vient au séminaire. Elle vient au séminaire. L'héritage c'est le lien. Ayo qui interroge celle des générations passées. La Job 8 à 9. Mais raconte-moi un peu. Maman, on a eu un temps, maman, comme on a eu. Grand-mère aussi. Ça vient de loin. Pasteur Nicolas Salami. Qu'est-ce que je dois faire? Pasteur Nicolas, maman. Et Pasteur Nicolas, aussi, ton problème est on doit couper les liens. Amen. Hein? Amen. 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 On va voir. Voilà, les liens nous a bien. Amen. Quand hein? Vous voyez très bien. Vous voyez les liens? Si qu'on y est, ayoki elle a écouté la parole. Quand elle a écouté la parole. Est-ce qu'au moment où elle est au moment où elle est. Est-ce que lui est katani? Est-ce que les liens sont rompus? Et katanité. Elle n'est pas rompue. Ayoki elle a écouté la parole. Maintenant, lui est katanité. Mais les liens ne sont pas rompus. Si quoi, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Papa n'appelle la limite. Moi aussi, je cherche la limite. Je suis fatigué de cette vie. Tant qu'on est dans la délivrance. On va passer à la délivrance. On va couper les liens. Amen. Hein? Amen. Allez. Frère, Nani, comment on est? Frère. Hein? Frère Rachid, frère Rachid, frère Rachid, frère Rachid, frère Rachid, frère Rachid, quand il va aller au mariage, est-ce qu'il y a Azan influence sa famille? Est-ce qu'il y a l'influence sa famille? Lié Katanet, Azan Salamakamou Nyonso, Nenge Alili, comme elle veut maintenant, influence sa famille là-bas, l'influence de la famille, vous savez, ça n'a qu'à célibat par la paix, et ça n'a qu'à la pauvreté, même la pauvreté, voilà. Si quelqu'un est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont dit à moi. Il y a comme une libre. Il y a comme une libre. Ceux qui ont la famille là-bas. Et c'est là qui n'a pas tout. Il y avait des gens. Pour y avoir ta vie, mon côté. Elle n'est pas de soeur. Aza fait la bassère, mais non, c'est frère. Oh, bah, mon oiseau, vous vous souvenez, tu ne peux pas la tête, tu ne peux pas la tête. La souffrance. Yes, quoi, à partir de la délivrance. À partir de la délivrance. Bien, Katani. Les liens sont coupés. À Bali. Elle s'est mariée. Si vous y avez, ça va vous dire. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Ils n'ont rien dit. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Différence, c'est moi, n'est pas le Babane, qu'est-ce qu'elle va demander? En tout cas, hein? Je vais commencer à prier à l'église de Charlène. Charlène, tu m'as dit que tu m'as laissé tout ça. Tu m'as dit qu'on s'est caillé. On s'est moqué d'elle. Charlène a balayé. Charlène s'est mariée. Au moment de place, vous croyez en Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille, Nayo. Ta famille. Ma camola. Pour qu'elle soit délivrée. Tu m'as dit, Manzambe, Nayo. Maman, dit, Manzambe, Nayo. Ta couille, ma lieu, l'héritage de Katana. Comme tu es là, tu ne sais pas. Ton héritage, et où tu n'as boué, ça vient de là. 15 côté papa, 15 côté papa, 15 côté maman, 15 côté maman. Au tambour la naïe, tu marches avec ça. Avec ces liens, 30 personnes, 30 personnes, sont parmi 4 générations. Oh, ma joie, je suis en scène finale. Qui influence ta vie? La 4 abandon qui va là. Ma chef continue par ça. Ma maladie, c'est pas ça. Ma ta malédiction, pas ça. Ma pauvre, pas ça. Même les longues. Même des visages. Là, on a témoin d'amour. Tu n'as jamais vu un enfant. On a vu à Londres. On a vu à Londres. Bah, tout le monde nous parle. Des noirs. Bah, moi, tu me dis. Ils ont eu un blanc. Alléluia. Bon, on a déjà voté. Vous n'avez pas entendu cela. Bonjour, là. Il y avait un blanc. C'est l'héritage. On se sépare. Oh, il ne me ressemble pas. Mais il y a ça, ma qui est à toi. Il y a de ces gens. Moi, là, on a joué l'ongle à vous. Vous avez compris le visage d'une personne. Vous comprenez. Héritage, l'héritage. Il y a mon sang, Batel, c'est Ézéchiel. Dieu montre à Ézéchiel. Il y a dit ça à Jérusalem. Sauf qu'à
ça a problème. S'il y a des problèmes, et ça dit plus que c'est parce que Mutolu na yekata, son cordon n'a pas été coupé. Le cordon, c'est le lien. Lien wana luka c'est lien qui ne l'a pas cherché. Lien wana a hérité. C'est lien qui l'a hérité. Il y a besoin de la façon de la famille. Tu parles de la famille. Ça façon de la toujours famille. Tu parles de la famille. Oh, Seigneur Jésus, tu dis que tu es famille. Bien aimé, les camions auront la famille. Ce que tu as dans la famille. Osons ça les formes de sa famille. La pauvreté. Pauvreté, on est battu dans l'hôtel. Ça n'a pas commencé. Et ma vie, mais ça n'a pas commencé à tomber. Et maintenant, Kala. Ça a commencé depuis. Maman, tu m'as dit, on va pas commencer à la vie. Il y a des familles. Où il y a des liens. Tu dois mourir en train. Regarde la vie de ma femme a fait un père est en fait. Bien aimé. C'est comme ça. Donc, ma lien est en fait. Il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens. Les liens, on ne les jette pas. Mais les liens, on les jette. Les liens, on les jette. Tu es hérité de toi. Je vous ai dit. Comme nous sommes là, héritage matériel. On peut l'inventorier. Je te donne le temps. Inventorier héritage spirituel. Tu vas inventorier maintenant l'héritage spirituel. On inventorier un mot. Tu vas inventorier la mission dans notre famille. Oui. Et tu vas chercher ta vie. Tu as dit mon père est détruit parce qu'il manque de il y a la personne qui sont pistes. Dieu nous donne des pistes. Interroge cette génération passée. Et sois attentif à l'expérience de leur père. Puisque tel qu'était vos pères, vous l'êtes aussi. Vous l'êtes aussi. Dans ma terre héritage. Je vais donner mes propres témoignages. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans la vie. Bien, mais ce n'est pas nouveau. Comme Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous venons vers Dieu, nous venons avec des liens. Nous venons avec des liens. Comme vous avez vu Lazare, il est venu vers Dieu. Jésus là, mais Lazare, Lazare quand il est sorti, il est venu avec des liens. Lazare a sorti balayé. Où est-ce qu'il a trouvé? Coutume la bango. C'était la coutume. Après la mort, on a le balayé. Les liens de la coutume. C'est ce qu'il avait. Il s'est présenté dans le monde. Il s'est présenté dans le monde. Il s'est présenté dans le monde. Il s'est pour qu'il parte, on va couper ses liens. Ma liens, voyez-moi, il est hérité. Il a hérité mon cohérité. Il a hérité de ses liens. La sorcellerie, tu n'as pas cherché. Tu as hérité mon cohérité. Pour qu'il n'y ait que ça, la maquila, on va pêcher. C'est le sang des sorciers. Il y a un peu de sang qui fait aussi la sorcière. Tu es des avortements. Combien tu as fait des avortements? Moi ça m'étonne. Moi, et toi? Sans pitié. Toi, tu n'as pas de pitié. Mais qu'est-ce que ça va qu'il t'a? Surtout ma salle en Afrique. C'est ce qu'on a fait à l'Afrique. Qu'il t'a sauvage. Il y a ma belle. Les blancs. 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 Oh là, yo. Toi, au moment sauvage, tu tues vraiment. Oh, okay, tu sais quand tu vas là-bas. Et pas assistant. C'est pas assistant. Pas assistant. Assistant. Ok, pas assistant. Là, à la salle, il est au salle. A tout la tête, il balle. A ma vie, tu vas pitcher. Tu vas la carte à l'immunité. Tu pitcher. Madame, tu es côté. Assistant, vous qui êtes. Ah, côté de nous. Tu Souka souka, à la fin, à l'essai, les simi, puis tu as pour fichu le mot. Alors, yosso, comment on a dit, ma qu'il est comme comme il est, mais prière, ma qu'il est à pichu, à sa ligne de sinas à la pasteur, à sa la PDG, à sa la ministre, à la président, ou assassiné, il y a un assistant, et venu pichu, qui ne doit pas moi, c'est la sorcière. Oh, il y a un lion, avantage à mon qui. Oh, il y a un lion, avantage. C'est un sorcier. Ça vient d'où? C'est du sang. Na makila, tant sous de maman nous d'arôme et me passer. C'est ta maman qui t'a ramené chez l'assistant. Donc là, ça nous quitte. Moi, je ne suis pas sorcier. Comment il nous quitte? Il m'a compris. Tu vois maintenant. Voilà où tu es. Grave. C'est grave. Pichu a son nez là. Pichu plaît. Bien aimé. Un jour, on va montrer les filles. Comment on fait ces trucs? On va les fouetter. 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 On va
Là, il y a un frère, tout et ton frère qui donne l'argent. Association des malfaiteurs. La famille. La sorcellerie. Il y a un autre joie. C'est ce que tu as reçu. Il y a vraiment une punition de ça. Au monde, il y a un sous sous-té. Pour le moment, il télé. Pourquoi tu es aux Acadia. Tu es un sorcier. Aux Acadia. Tu es vraiment un sorcier. Aux Yamoua. Tu as reçu cela. La maquila. Du sang. La maquila. Le sang. Maquila, on a bien aimé. Le sang, là. Et ça m'a quitté à ma vie. C'est un mauvais ma qui l'a aussi hérité. Tu as hérité cela. Tu n'as pas cherché cela. Soit tu t'allies bien. Si nous regardons bien, nous tous délivrons sa sorcellerie. On cherche la délivrance sur la sorcellerie. On délivre sa sorcellerie. On cherche la délivrance sur la sorcellerie. Un mauvais cœur qu'on a. Passer la rebond de la porte 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 la porte de la porte la il est là, non, ne viens pas avec. Au moins, la tête à terre, la tête à mon attaque. Mais là, il y a sa tête. 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 Il a donné la chute. Il y a sa tête. Il y a sa tête. Il y a sa tête. Je ne sais pas. Bon, on a dit que nous allons vous permettre de passer le monde. Je sais qui m'ouvre les yeux. Naïba, je sais. La tête à la vue. On a au temps la vie, et comme elle est ma cala moto. D'autres la salle au bout. Pour vous, merci quand même. Pour vous, la dame, on vous semble la terre. Nous n'avons pas les femmes de prière. Pour vous, semble la mardi. Nous allons prier mardi. Vous savez que mardi, c'est le jour de la prière. En direct de la radio Étoile du Ciel. www.etoiledesciel.com. Alors, on a tout bon de la macasse. Le nom de l'année qu'on a fait pour la vie, vous allez comprendre l'héritage en mot. De toutes les façons, on va faire la bonne santé. Je n'avais pas préparé cela. Oh, la bonne santé. J'avais préparé, je n'ai pas préparé. Tu as voulu qu'on puisse s'arrêter. Alléluia. Amen. Regarde ta vie, bien. Regarde ta vie, papa. Quel héritage héritage lumineuse. Quel héritage as-tu reçu? Vous avez besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Vous avez besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Délivrance, c'est incontournable. La délivrance, c'est incontournable. Que tu sois un homme de Dieu. Quand tu viens vers Dieu, tu viens avec le lien de la famille. Le lien de la famille. Mais c'est le lien de la famille. Si bakata, on doit couper ça. Quand nous venons vers le Seigneur, nous comptons à la processus de délivrance. Mais on n'a pas encore reçu la délivrance. Très important. C'est vraiment très important. Ça va pas pour la vie. Que Dieu nous bénisse.